Invité de l'émission On est en direct présenté par Laurent Ruquier et Léa Salamé ce samedi 6 novembre, Grand Corps Malade est revenu sur l'affaire Fabien Lecoeuvre et Oshi. Pour rappel, le chroniqueur avait qualifié Oshi d'effrayante, provoquant ainsi une vive polémique. Suite à cela, un grand nombre de célébrités avaient pris la défense d'Oshi et Grand Corps Malade a quant à lui sorti un single à ce propos. Celui-ci se nomme Des Jambeaux, terme utilisé par Fabien Lecoeuvre lors de ses propos polémiques, en disant que Oshi ne faisait pas partie. Moi j'aime et fait une chanson pleine d'ironie, qui s'appelle Des Jambeaux, puisque si est-ce sa phrase à lui, il a dit il faut des jambeaux. Donc on a repris ça pour en faire un refrain très dansant, a déclaré le chanteur au sujet de son titre. On a réussi à ne pas citer son nom à ce pic assiette sans même citer son nom pour ne pas lui accorder plus de crédit, le slammer s'est donc exprimé à ce sujet, en révélant que le chroniqueur l'avait par ailleurs mis en demeure suite à la sortie de son tube. Il s'est bien gardé de dire qu'il était en train de m'attaquer, déclare Grand Corps Malade. Lors de ses propos sur Fabien Lecoeuvre, le chanteur a été particulièrement épaulé par Laurent Ruquier et Dominique Ferrugia qui n'ont pas manqué de dire ce qu'ils pensaient. L'animateur de France 2 n'a, comme à son habitude, pas mâché ses mots, on ne va pas citer le nom du journaliste en question parce que je n'ai jamais eu envie de lui faire de la pub, ou encore, je suis content, on a réussi à ne pas citer son nom à ce pic assiette. Après avoir reçu plus de 130 menaces de mort suite à ses propos tenus au sujet d'Oshi, Fabien Lecoeuvre est toujours au cœur de cette immense polémique dont tout le monde s'est emparé pour défendre la chanteuse sur les réseaux ou ailleurs. Loading DJ.